أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، l'islam est un mode de vie complet qui gère la relation verticale avec notre Seigneur dans la spiritualité et le tawhid, et qui gère aussi la relation horizontale avec les créatures. Et quelle créature plus proche de nous, lorsqu'on est à l'âge adulte, bien sûr, que nos parents en premier lieu, dans tous les cas, mais aussi nos épouses pour les hommes et les époux pour les femmes. Allah Azza wa Jal vient nous enseigner les bases de la relation homme-femme. Il nous dit dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, « Wa min ayatihi, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja » لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Ce qui signifie: et parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous, des épouses. Ici on a la dualité. Pour vous, de vous, des épouses, pour que vous viviez avec quiétude avec elles. لتسكنوا إليها, la quiétude, l'apaisement. Et il a mis entre vous de l'affection. Al-Wud, c'est les causes, le sacrifice et les résultats. Et de la miséricorde. La miséricorde, on le verra à quel moment on s'en sert. Il y a en cela des preuves pour les gens qui réfléchissent. Verset immense, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je vais malheureusement devoir me limiter à la fin du verset. « وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً » Et il a mis entre vous de la mawadda, Al-Wud, et Ar-Rahma, c'est-à-dire de la miséricorde. Premier élément, c'est Allah Azza wa Jal qui crée ça. Ne crois pas que ce sont tes qualités intellectuelles ou émotionnelles qui vont faire avant toute chose tenir ton couple. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va mettre entre l'épouse et l'époux al-mawadda, la douceur, wa rahma, la miséricorde. L'image que j'ai envie de vous donner, c'est les personnalités qui sont différentes. Un homme et une femme, déjà fondamentalement, on est différents. Les personnalités sont différentes. Et Allah Azza wa Jal, malgré ces différences, il va mettre entre ces deux choses qui ne pourraient pas s'unir, il va les unir par le fait de mettre entre les deux de la douceur et de la miséricorde. C'est un don divin que de faire preuve de miséricorde envers son épouse ou envers son époux. C'est un don divin que de mettre à la base de la relation de la douceur et de la compréhension. Et dans Al-Mawadda, on n'a pas simplement la douceur, mais on a aussi la notion de sacrifice. Et on a aussi la notion de comprendre que cette douceur ne va s'obtenir qu'en étant un résultat. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal n'a pas de limite. Et notre Seigneur nous aime. Et il aime voir ses adorateurs s'aimer en lui et pour lui. Mon frère, ma sœur, ne restez pas simplement sur la dimension bestiale. Et quand je dis bestiale, ce n'est pas péjoratif. Ne restez pas simplement sur la dimension bestiale de ce que ma nefs, mon âme, ressent pour mon épouse ou pour l'époux. Dépassons cette dimension, qui est une dimension qui, la plupart du temps, n'est qu'éphémère. Rentrons dans la dimension réelle de l'application de ce verset. Savoir aimer sa femme pour Allah, savoir aimer son mari pour Allah, par le fait d'utiliser la douceur et la miséricorde. Et j'ai une bonne nouvelle à vous donner. C'est que si nous suivons cette méthodologie bénie qui est d'origine divine, ton âme sera apaisée. Et tu goûteras un bonheur qui est réel, et non pas un bonheur qui est illusoire, qui est créé par les uns et par les autres, et qui nous donne l'illusion du bonheur dans cette vie éphémère. Qu'Allah nous accorde la douceur et la miséricorde dans nos couples, Ya Rabbal Alamin. Et qu'il nous accorde le fait de retrouver cette douceur et cette miséricorde pour l'éternité au paradis, unis avec nos épouses et les épouses unies avec leurs époux,
pour l'éternité, sans aucun défaut, qu'avec du bonheur, qu'avec du bien. Et si on veut obtenir cette vie dans l'au-delà, pleine d'amour, pleine d'affection, pleine de douceur, pour l'éternité, il va nous falloir patienter dans cette vie d'ici-bas en utilisant ces deux outils. Mawadda wa rahma, douceur et sacrifice et patience. Rahma, miséricorde. Nas'alullah azza wa jal an yubarik fi ilmina. On demande à Allah azza wa jal de mettre la bénédiction dans nos connaissances, ya rabbal alamin. Hadha wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب.